bon. Ciao les gars. Ciao, ciao. Je vais quelque part. Je rentre pour de bon. Une nouvelle aventure qui se débute. Bon. Une journée incroyable. Il est que 6h du matin. Et je suis à l'aéroport. J'ai pris mon billet la semaine dernière. Franchement, c'était même pas prévu que je voyage. Hein. Je vous dis la vérité, c'était absolument pas prévu. Donc voilà, j'ai pris mon billet et la destination. Je vous laisse deviner où je vais. À votre avis, où est-ce que je vais? Quelque part très bien, où je vais bien me régaler en tout cas. Enfin bref. Les gars, ça fait tellement du bien de prendre un billet comme ça et de se dire, voilà, une petite aventure comme ça dans la vie là. Mais franchement, ça va tellement me faire du bien, les gars. Vous savez même pas, ça va tellement me faire du bien, ce petit voyage là. Vous savez même pas comment ça va me faire du bien. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu les avions et tout là. Ça fait trop longtemps que je suis pas venue à l'aéroport. Franchement, ça fait trop longtemps. À croire qu'il y a 5 ans de cela, je travaillais dans cet environnement-là, quoi. Franchement, c'est bien loin derrière moi. C'est vraiment bien loin derrière moi, tout ça, les aéroports. Enfin, bref. Gars, il y a vraiment des dérangeurs ici. Hein. 4h du matin. 4h du matin, le gars, il nous fait chier, je vous dis, avec de la musique. Mais c'est quoi les gens comme ça, en fait? 4h du matin, tu mets la musique comme ça, tu viens déranger les gens. Non, franchement, non, c'est trop, c'est vraiment trop. Mais tout le monde se sont retournés, les gars. Quand le mec, il a mis la musique, tout le monde se sont retournés. Mais genre, gars, pourquoi tu mets la musique en fait? Il est 4h du matin. Les gens viennent de se réveiller, ils sont un peu dans leur mood et tout. Il y a certains qui font les correspondances. Toi, tu viens, tu mets la musique comme ça. Hein? Tu mets la musique comme ça pour déranger les gens. Franchement, hey, vas-y. Alors, je viens d'arriver et je me sens tellement perdue alors que je suis restée ici pendant presque 3 mois. Mais je vous dis, je me sens trop perdue. Et il y a une dame, elle a été adorable. Mais vraiment, elle a été adorable. Du coup, elle m'a expliqué et tout ce que je dois faire. Et du coup, là, je me dirige au Pointo, là où je vais prendre le ferry, là, qui va m'amener directement à... Pizza Island, voilà où est-ce que je suis, où est-ce que je vais. Donc voilà quoi, elle m'a rassurée parce que voilà, je voulais absolument voir en fait je voulais absolument voir le fireworks, ouais, c'est ça. Et en fait, elle m'a dit que c'est comme ça que ben, malheureusement il n'y aura pas de fireworks sur. Du coup, la dame, elle m'a tellement rassurée en me disant « Non, mais t'inquiète, mais franchement, t'as trop de la chance et tout. En plus, tu vas être sur l'île, il y a tout là-bas. Même s'il n'y a pas le fireworks, vraiment, tu vas adorer, ma. Tu vas adorer. » Mais j'étais là, je fais « Oh, ok. Bon, bah parfait alors. » Donc, j'ai pas besoin vraiment de regarder le fireworks parce que, voilà, moi, je voulais absolument aussi voir un peu le fireworks de 15. Mais bon, voilà quoi, je pense que ça va être assez compliqué pour moi et je me vois mal en plus à payer 43$, revenir ici, ensuite dormir ici alors que j'ai payé super cher l'hôtel. Quand je vous dis que j'ai vraiment payé super cher l'hôtel, elle a été vraiment chère. Donc ça me fait vraiment chier en fait de rater en fait une nuit là-bas étant donné que bah... Voilà quoi, j'ai payé pour ça, tu vois, ça fait un peu chier de dépenser presque facile. Donc du coup, bah, je vais prendre le boat et puis je vais aller directement. Et désolé, hein, mais mon bagage là aimait moins.
Si je vous dis ce que j'ai mis dans mes bagages, vous allez rigoler. J'ai mis des rillettes, j'ai mis des pains briochés, j'ai mis des champagnes. Non mais, j'ai des problèmes les gars, j'ai vraiment des problèmes. Et du coup, bah, mon bagage, ils sont trop lourds, c'est trop lourd mais les gars. Mais bon, après je me dis franchement, c'est un mal pour un bien. Quand je serai sur l'île, franchement, je vais kiffer ma life les gars. Je vais kiffer my life pendant une semaine. Oui, une semaine. Donc voilà. Tant pis si je ne vois pas le fireworks, bah, le feu d'artifice, c'est pas grave. Hein. Écoute, c'est la vie d'Aloca, tu vois. Donc voilà, ça me fait trop bizarre de revenir ici. Mais quand je vous dis, ça fait super bizarre de revenir ici. Oh là là, je suis restée ici pendant 3 mois, presque 4 mois. Voilà. Et franchement, j'ai fait les 400 coups. C'était avec des billes. Oh là là. Mais ouais, c'est que des souvenirs. Hein. Malheureusement, je ne resterai pas sur 15, mais c'est vrai que le Aria déjà me fait rappeler pas mal de souvenirs. Hein. Des bonnes comme des mauvaises, n'est-ce pas? Oui. Bon, je vais vous laisser et puis je vais attendre mon boat qui va pas tarder à arriver d'ailleurs. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Du coup, mon bateau vient d'arriver. J'attends qu'on désembarque et ensuite après, ben moi. J'embarque. Ça y est, on est en train de partir. On est arrivé les gars. Regardez l'eau. Oh là là, ça c'est le kiff total. Allez, il y a des gens, ils sont. Voilà. Voilà là où je vais dormir. Voilà, voilà. Voyons voir, ça c'est quoi ça? Ah. Oh, mais ça c'est bien ça. Faudrait que je le fasse. Ah non, c'est la Tribulation Cup. Tribulation. Ah non, je pourrais pas le faire. Bon, bah écoute, je vais m'enjoyer. Hein, petite île. Ah, bah ça, c'est génial. Ok. Oui, je suis folle. Oui, je suis folle. Il fait tellement chaud. Bon, je suis bien arrivée, mais hey, il fait tellement chaud. Oh, ah non, mais j'ai vraiment trop chaud. C'est abusé. J'ai vraiment trop chaud. Je vous montre un peu là où je suis. Voilà. Je suis sur une petite île. Magnifique. Là, je suis en train de marcher. Je suis en train d'aller là. Je sais pas où c'est. Juste pour voir. Je vais faire demi-tour parce qu'il faut que j'aille voir en fait le truc de hub et tout. Donc voilà, je suis dans une petite île
Mais oui. Ah, ici, c'est le Gambalo, en fait. Gambalo. Putain, les gens qui se sont courageux. Hein. Staff only. Ah, c'est le staff. Il y a même les trucs pour le camping. Ok. Bon, je suis dans la nature totale. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle que quand j'étais petite, j'en mangeais. Mais je me rappelle plus le nom de ce truc. Et en plus, il y a des graines à l'intérieur qui sont super bons. Je me rappelle plus le nom du truc. Franchement, je me rappelle plus. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Est-ce que vous connaissez le nom de ça, là? Le nom de ça. C'est un fruit, là, qui sort de ça, là, de cet arbre. Oh là là, j'ai oublié le nom, mais je me rappelle quand j'étais petite, je dégustais le noix à l'intérieur. Bon. C'est qui celui-là? Là, il y a une voiture qui passe. Je vais laisser la voiture passer d'abord. Parce que là, j'ai pas envie de me faire écraser dans la gratuité. Et comment vous dire que... Oh là là. C'était là l'air vraiment magnifique. Mais par contre, je crois que là, je vais dans des endroits où il ne faut pas aller là. Là, là. Attends, mais ça, c'est les endroits pour bien... je ne vais pas dire le mot. Je suis toute une gamine. Ça, c'est où, ça? Bon, c'est des galets ici, putain, c'est la merde. Ça, c'est pas bien, ça. J'aime pas les galets, les gars. Je déteste les galets. Alors, est-ce que vous entendez le bruit des cigales? C'est... Ça me fait rappeler vraiment la France. À croire que, en fait, presque toutes les îles de l'Australie, il y a les cigales. Presque toutes les îles, en fait, de l'Australie, il y a des cigales. Vous entendez? Les cigales. Les cigales, la cigale et la fourmi, ou je sais plus quoi. Il y a un conte comme ça, non? Il me semble. Welcome to Freital Island. I need somebody who can love me in my life. Love in my life. Ça fait tellement du bien qu'il n'y ait personne, je vous dis. Ah ouais, parce que là, la journée, là... Il y a eu tellement de monde et je me disais, mais putain, c'est pas possible. En fait, je déteste les resorts. Je me disais, mais attends. En fait, elle est chaude. Je me disais, mais attends, mais c'est mort, en fait. C'est mort. Mais en fait, ça va. Quand il y a personne, c'est pas mal ici. Hein. C'est vraiment pas mal. Ah, mais là, il y a le sable. Je crois que...
vraiment chill day. Et ensuite, après, je vais peut-être... Demain, ouais, je vais commencer vraiment à faire des vraies choses. Là, je suis fatiguée. La journée a été trop longue. Je me suis réveillée à 3h du matin. Prendre l'avion, arriver, tout ça. Franchement, c'est fatigant. Et j'ai su que, ben, en fait, finalement, c'était un resort. Je déteste les resorts. Et en plus, il y a quand même pas mal de facilities qui ne sont pas très intéressants ici. Donc, franchement, je vais faire avec et tout, mais ça m'apprendra la prochaine fois. Il faut juste que je fasse un peu plus attention. Vu que j'ai pris ce billet-là en dernière minute, j'ai fait ce voyage en dernière minute, donc voilà quoi. J'ai pas essayé de me prendre la tête ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête et tout, mais c'est vrai que bon, j'ai bâclé quand même pas mal de choses. Du coup, bah voilà, je ne peux rien faire quoi. Bon, bah c'est pas grave, on va essayer quand même de profiter, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi. Là, tu peux faire du aïe 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 aïe. Je sais pas, mec. Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, regarde! J'ai vu un insecte qui est passé tout à l'heure. Il était énorme quand même, hein? Je sais même pas s'il y a des kangourous ici, en fait. Je pense pas qu'il y a des kangourous ici, hein. Et surtout, je me suis posé aussi une question. C'est, est-ce qu'il y a des crocodiles ici, étant donné que je suis à 15? Donc, sûrement qu'il y a des crocodiles ici, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Je suis sûre qu'il y a des crocodiles. Bon, ils nous ont pas dit qu'il y avait des crocodiles, hein. Ils m'ont plutôt dit qu'il y avait comment ça s'appelle? Oh mon Dieu, comment ça s'appelle les étoiles? C'est pas les étoiles de mer, comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié le truc là qui est souvent dans l'eau là, qui est très dangereux là. Oh, j'ai oublié. Je suis venue à la piscine là. Je suis à la piscine chauffante. Ça tombe bien. Ah. Ça fait tellement du bien. Ouf. Alors, la nuit a été très longue. J'ai absolument pas bien dormi, mais je vous dis. Là, je me suis préparée pour aller faire du kayak. Alors, je crois que je me suis trompée. Donc, je me suis préparée pour aller faire du kayak aujourd'hui. Donc, là, précisément, il est 10h49. Donc, on y va faire du kayak. Et puis, on verra bien ce que ça va donner et tout. Mais j'ai tellement mal dormi, les gars. Ah ouais, non, laisse tomber, j'ai trop mal dormi. Ce que je vois là, là, le kayak qui est là-bas. Good morning. How are you? Good, how are you? Yeah, good, thank you. Happy New Year. Yeah. On y va. Ça va être bien drôle. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'ai fait, c'était l'année dernière. Je sais pas, mais on va voir. Alright, I might get this in and she will give you.
point there. So yeah. Thank you. Tous les cocotiers. Yep, that's it. Oh, yeah. And come back is. No, it's like that. That's it, yeah. That's it. And it'll be real easy because, you know, it's so smooth. He's coming with us? Yeah, yeah, you got a guided tour. Here you go. Here's your phone back. Thank you. The longer the better. So you have some time in the water. Yeah. It doesn't matter. Yeah, well, they're down much a lot. Yeah. But there's been a lot of turtles in this area this morning, so any. Oh, this morning? Yeah, yeah. Oh. And see how it's all sand? Yeah. So they're really easy to see. Oh, colored round thing out because they're normally oh la la. But there's a lot up that end too. We'll try and find some, but they're really easy Demain, je ferai ça, ou peut-être même aujourd'hui, je vais faire le paddle. Ouais, regardez, il y a une petite tortue. It's gonna come up soon. Il y a des petits poissons aussi. Beau aujourd'hui, c'est trop beau. Ouais, c'est beau, magnifique. Je sais pas comment je peux faire ça. Il fait tellement beau, les gars, c'est incroyableissime. Il fait trop beau. Et ça fait du bien. Regardez comment l'eau. Moi, je suis là. Je suis là avec mes pieds, là. Ils font pitié. Du coup, je vais aller à la piscine, vite fait. Ça va me faire du bien. Putain, en fait, ta sauce, c'est vraiment moi.
trop beau. Je vais mourir, les gars. Je sens que je vais mourir. Les gars, je vais mourir. Je crois que j'arriverai pas. J'ai trop peur. Regardez. Regardez. Je vais mourir. Je vais mourir, sérieusement. I'm saying that I will die. She's lying. She is not going to die. She is lying. Oh my God. I'm dying. Je vous jure. C'est la première fois que je tente le paddle parce que j'ai jamais tenté. Mais là, je vous jure, en plus, l'eau, enfin, la mer est haute, quoi. Et j'ai trop peur, les gars. J'ai vraiment trop peur. Oh là là. Est-ce que je le fais ou pas? Je te jure, j'ai... À la limite, je suis à deux doigts vraiment de partir, hein, de tout abandonner. Parce que là, le paddle, non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Encore le kayak, ça va encore. Mais le paddle, j'ai trop, trop, trop peur. Oh, putain. And then I'm going to take you out into the deeper water, and I'm going to show you how to stop, how to turn your board, how to get on and off those boards in the deep water. If you can't get on and off of them. Il fait tellement beau, les gars. Il fait trop, 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 trop beau là où je suis. Ouais, j'adore. Magnifique cabale. ça se voit que j'ai rien d'autre à faire. Il fait trop beau. Oh là là. Oh là 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 là. Maya.
Alors là, on est arrivé à Nudie Beach. Il est pas mal d'ailleurs, hein, franchement. Absolument pas mal. Voilà, je suis là. C'est trop beau. C'est bon en tout cas, franchement. C'est trop beau. C'est trop bon. C'est abusé comment il fait bon. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique tout ça? Les gars, j'ai tellement mal dormi ici, c'est abusé et j'ai trop mal dormi, franchement. Non, et je suis tellement pressée de partir. C'est rare, hein, que j'aille quelque part et que je sois pressée de partir. C'est que là, c'était la merde, la merde chez la merde. Je n'ai jamais compris, vraiment, une chose que je n'ai jamais compris, c'est des gens qui font la queue alors qu'on va tous rentrer dans le même avion, en fait. Franchement, il y a des gens, ils font la queue, regardez, de là-bas jusqu'à là-bas, alors qu'on va tous rentrer dans l'avion. Pourquoi il n'y en a pas? Ils attendent, comme moi, tu vois, j'attends à la dernière minute avant de partir, tu vois, avant de rentrer dans l'avion. Mais les gens, je sais pas, ils préfèrent rester debout à attendre et rentrer dans l'avion que de... d'attendre. C'est incroyable. Ça y est, mon aventure se termine ici, puisque là, oulala, oulala, la fatigue. Enfin, je vais pouvoir rentrer, parce que là, franchement, 15 là, je te jure, ça n'a pas changé 15. Toujours la même chose, toujours aussi lourd, toujours aussi chaud, toujours aussi humide. Non, c'est vraiment pas ma ville, cette ville-là. 15, non, c'est bon, j'ai eu ma dose, hein. J'ai vraiment eu ma dose. En tout cas,